Vous êtes toujours en direct de la 22e semaine de mode de Montréal avec Camille DG. En ce moment, on est dans la salle de la passerelle. Je suis avec Stéphane Leduc, rédacteur en chef du magazine Dress to Kill. Stéphane, vous connaissez la mode de fond en comble. Vous connaissez Montréal. Quand on parle de la 22e édition, ça fait longtemps qu'il y a des semaines de mode à Montréal. C'est établi, mais on dirait que ça fait pas si longtemps que les Montréalais sont fashion. Comment a évolué, selon vous, la mode à Montréal dans les 10 dernières années? Ça a beaucoup évolué. En fait, c'est la sensibilité des gens qui a évolué, la compréhension du milieu de la mode aussi, et de connaître les noms, parce qu'au début, les premières semaines, les noms qui sont aujourd'hui familiers, comme Nadia Toto, Marie-Saint-Pierre, Philippe Dubuc et même Denis Gagnon, étaient inconnus pratiquement. Donc, pour eux, se faire dire ces noms-là, bon, OK, on va le découvrir, mais ça n'attirait pas nécessairement les gens. Maintenant, ces gens-là sont des têtes d'affiche. Ils sont connus, ils sont invités dans des émissions de télévision. Les journaux parlent d'eux systématiquement. Les magazines font une couverture incroyable aussi. Donc, cet esprit-là a marqué une évolution parce que les gens connaissent les créateurs, connaissent la mode et l'apprécient aussi. Puis, il y a aussi une certaine fierté parce qu'autrefois, on pensait que c'était seulement les vêtements qui venaient d'Europe qui étaient bien ou même peut-être des États-Unis. Mais on est fiers de la créativité. Comme on est fiers dans le milieu de la musique, de ce qui se fait ici, on est fiers de notre cinéma, on est fiers de nos acteurs, bien, la mode, c'est un peu la même chose. Ça fait partie de la culture. Puis, on sent que peu à peu, les gens comprennent ça. Ça fait partie de leur vie et ils sont fiers de porter un vêtement qui est fait ici. Est-ce que vous sentez que la semaine de mode aide à cette fierté? Ah oui, énormément. Je pense que c'est le moteur le plus important, à la fois pour les médias, parce que ça nous permet de voir l'ensemble d'une collection, ça nous permet de comprendre la démarche, mais aussi de découvrir de nouveaux talents. Comme l'an dernier, quand il y a eu la saison dernière, quand il y a eu Duy, ça a été une redécouverte pour beaucoup de monde, même s'il avait, il y a quelques années, débuté, il avait arrêté. La même chose pour Untitled. Untitled, c'est deux jeunes gens tellement créatifs, qui ont un talent inouï, qui connaissent le métier, qui le comprennent bien, qui l'ont appris avec un grand maître qui est Denis Gagnon. Donc ça, c'est la semaine de mode qui permet de découvrir ces jeunes talents. Ça fait que c'est à deux niveaux. C'est à la fois retrouver les gens qu'on aime bien et à la fois découvrir de nouveaux talents. Ça fait que la semaine est vraiment très importante pour ça. Et c'est aussi des conditions idéales, c'est-à-dire que le système de son, l'éclairage, l'équipe de maquillage, tout est bien présenté d'un niveau professionnel et ça aussi, c'est important. D'ailleurs, on vient tout juste de voir le défilé de Tavannes-Mitto. Oui. Comment vous avez trouvé le défilé? Ah, incroyable. Vraiment, c'est un début en force parce que Tavannes-Mitto, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de leur défilé. C'est des gens qui maîtrisent extrêmement bien la coupe, le choix des tissus, la qualité de la confection. Ce sont de grands couturiers, en fait. Je dirais même que ça se rapproche beaucoup de la haute couture. On se croirait pratiquement à Paris et ça, c'est bien. D'ailleurs, ils ont appris leur métier. Ils ont été à Milan. Ils ont travaillé aussi à Paris. Donc, ça se voit dans leur travail. Et en plus, là, ils se sont donnés à fond parce qu'ils avaient une période dans leur carrière où c'était un peu plus le tailleur, un vêtement fonctionnel, toujours impeccable, toujours bien fait, mais là, cette fois-ci, ils se sont dit, on s'en donne à cœur joie, on a des tissus luxueux, on va vraiment montrer ce qu'on est capable de faire et le voir dans un défilé, c'est vraiment, encore une fois, la condition idéale, ça fait que c'est un défilé qui est magnifique du début à la fin. Ça reste des vêtements qui sient à toutes les femmes. Oui, 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 c'est sûr. Mais c'est sûr que aussi ils ont visé une femme qui sort, une femme qui est très, très élégante, très raffinée, une femme qui voyage. Ils sont un peu éloignés de cette image, mais il y a des pièces qui peuvent se combiner à autre chose. C'est sûr qu'un défilé, c'est fait pour faire rêver, c'est normal, et ça fait rêver autant les journalistes que ceux qui vont regarder la vidéo. Mais cet aspect-là a été... je dirais, à amener à un niveau supérieur parce qu'ils voulaient, j'ai l'impression, marquer l'esprit des gens, de dire on fait une sorte de retour, c'est une nouvelle vie pour nous, parce que ça fait quand même 15 ans qu'ils font de la mode. C'est beaucoup dans le milieu de la mode québécoise, des gens qui sont là depuis 15-20 ans, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, dans des carrières, c'est bien de donner un coup d'accélérateur, de dire peut-être qu'on est capable de faire du vêtement fonctionnel, mais aussi on est capable de faire rêver. Et ça, c'est bien. Puis je pense que leur clientèle est prête à ça aussi. Et étant donné qu'ils ont leur atelier, un atelier sur la rue Saint-Laurent, ça leur permet aussi de tester et de voir qu'est-ce que leur clientèle désire, d'avoir un contact direct avec eux. Et ça, c'est important aussi, ce lien direct qu'un atelier peut permettre entre le public et entre un designer. Et si on parlait du défilé qui a eu lieu un peu plus tôt, hors site, oui. Muse par Christian Chenaille, vous étiez là. Comment oui. Vous avez trouvé le défilé? Muse, c'est bien parce que Muse connaît très bien sa clientèle, sait ce qu'elle aime porter. Donc, ça va aussi dans
il essaie de la satisfaire dans plusieurs moments d'une journée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tailleurs, il va y avoir des vêtements plus fonctionnels pour le jour, il va y avoir aussi pour le soir des choses plus extravagantes, des robes. Et beaucoup, j'aime bien parce qu'il sait très bien jouer avec les textures. Il va autant mêler la transparence qu'avec un tissu qui se rapproche plus du tweed. Ce contraste-là va être très bien. Côté très féminin et masculin à la fois aussi dans ce qu'il fait. Et c'est un des pionniers. Lui aussi, lui, c'est plus que 20 ans qu'il est là. Et ça, ça mérite une palme d'or. Très fidèle aussi à chaque saison. Il est présent et présente ses collections dans le cadre de la Semaine de la mode. Et ça, c'est exceptionnel aussi. Mais c'est un fidèle infidèle parce qu'il n'était pas sur la passerelle aujourd'hui. Il était à la bibliothèque. Pourquoi choisir comme ça de sortir du site, selon vous? Peut-être que lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il présentait sur le site. Il s'est dit, j'ai besoin d'un vent de fraîcheur. J'ai besoin de présenter ma collection dans un autre environnement parce qu'il y a sa clientèle fidèle qui vient assister au défilé parce qu'il y a les médias, il y a les acheteurs et il y a les clients habituels. Donc, pour ces gens-là, peut-être que de changer de lieu, et la bibliothèque, c'est un lieu magnifique qui se prête bien à un défilé aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est bien que de temps en temps, même si j'aime bien qu'on retrouve les designers dans un même lieu parce que c'est plus pratique, c'est plus fonctionnel, ça nous permet aussi de respirer entre chacun des défilés. Et non pas courir d'un lieu à l'autre. Ou boire un petit verre. Aussi, ce qui est très bien. Il faut savoir fêter, c'est ça la mode aussi. Parce que c'est une fête de la mode, la Semaine de la mode, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans ce sens-là, c'est bien qu'il y en ait un ou deux à l'extérieur et de revenir ici par la suite. Je pense que pour Christian, ça faisait plusieurs années qu'il était sur place. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une infidélité, mais qu'il va revenir très rapidement. Mais ça fait un plaisir de vous parler ce soir. Merci beaucoup.